Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez vraiment bien depuis hier. Alors, moi je comptais faire une petite vidéo pour a priori une vingtaine d'enfants, mais il se fait que la vidéo a été vue plus de 7000 fois, c'est assez impressionnant. Raison pour laquelle, ben hop, désormais je me suis un petit peu coiffé. Je vous invite désormais dans mon salon pour la deuxième séance après le sprint. Place désormais au saut en longueur. On va se mettre dans son salon sur un petit tapis si vous en avez un. On va enlever ses pantoufles pour travailler pieds nus, c'est toujours plus riche pour les pieds. On appuie sur on. Et c'est parti pour la séance. On commence par un petit footing sur place. Comme on va faire du saut en longueur, on va s'imaginer déjà qu'on est en train de s'envoler. Donc on va faire de grandes circonductions avec les bras, comme si on était en suspension dans son saut. Ensuite, on va faire comme si on faisait un ciseau à la Mike Powell. Je vais faire des circonductions alternées désormais au niveau des bras. Ensuite, saut en longueur, il faut quand même sauter. On va faire des petits sauts pieds joints, de l'avant vers l'arrière. Et puis chaque fois, je vais sur le côté. Côté, avant, arrière, côté, côté, avant, arrière. Stop. Désormais, chaque fois qu'on va sur le côté, on va prendre un appui sur un seul pied. Vers l'avant, vers l'arrière, ça sera avec deux pieds. Côté, un pied, avant, deux pieds, arrière, deux pieds. Un, deux, deux. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu aller au ski seront un petit peu moins frustrés. Hop, un côté et deux côtés. Stop. Position enfant équilibré, je vais me mettre de côté comme ça tout le monde le voit bien. Et dans cette position-là, on va venir relever la pointe des pieds tout en restant équilibré. Je mets mes bras en mode Superman, un petit peu comme je serais dans mon saut. Petit saut pour alterner les appuis, hop. Cette fois-ci, je me rééquilibre tel un surfeur. Ensuite, je vais à nouveau redresser la pointe du pied. Et vous avez vu le pied arrière est en appui sur les orteils. J'essaie de rester équilibré comme je peux. Même chose avec un petit peu plus d'écart entre les pieds désormais. Petit saut en fente avant. Hop, je m'arrête. Je redresse la pointe de pied et j'essaye de m'équilibrer. Pour ceux qui sont balèzes, vous mettez alors les mains sur les hanches. Attention, on va sauter. De nouveau réception en fente avant. On décolle la pointe de pied à poulet arrière sur les orteils. Et là, on sent que ça tremblote. On reste en équilibre. Je vous emmène surfer depuis votre salon. C'est pas beau ça? Et voilà, on se relâche un petit peu. Alors, on va faire quelques petits exercices de saut en longueur pour vous inviter à sauter le plus loin possible. On va commencer par la course. La course d'un saut, l'idée, c'est d'avoir de la vitesse pour pouvoir s'envoler. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une course d'élan en trois phases. La première phase, je commence à créer de la vitesse en quatre appuis. Ensuite, en quatre appuis, je vais accélérer. 1, 2, 3, 4. Et les quatre appuis finaux, là, j'envoie la poudre. Ok, donc ça va être 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, on va le refaire. Donc 4 calmes, 4 vite et 4 supersoniques. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va le refaire une fois. Évidemment, si vous voulez le refaire, vous mettez sur pause, vous le recommencez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Puisqu'une course d'élan d'un saut en longueur doit se faire en accélération progressive, en mettant du rythme sur la fin, avec de la précision, mais quand on est sur place, comme c'est le cas pour l'instant, c'est pas bien compliqué. Vous allez me dire, avec une certaine disponibilité. Alors l'exercice suivant, on va enchaîner maintenant quelques petites impulsions sur place, avec 6 appuis d'élan. Donc mon pied d'impulsion, je le mets devant, et on va faire ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, je décolle et je me réceptionne sur place. On est reparti, pied d'impulsion devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sors le genou et je me reprends. On le fait encore deux fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention de vraiment rythmer sur les deux derniers appuis. Ça doit être... On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je sors le genou. Pour bien ressentir l'impulsion qu'il faut dans un saut en longueur, il faut savoir que l'impulsion vient se faire sur un pied à plat. Donc on n'est pas en pointe de pied ni sur le talon. Pied à plat bien solide. Je sors le genou et je peux venir monter. Si les parents le veulent bien, s'ils ne veulent pas, soit vous ne le faites pas, soit vous le faites en cachette. Et je viens monter avec un pied, hop, sur le fauteuil, ok? Je pose le pied d'impulsion devant, solidement au sol. La jambe est complètement tendue pour décoller. Je viens sortir le genou et je peux mettre mes bras en mode Superman. Impulsion, je sors le genou et hop, je sors en mode Superman. Je le fais dans l'autre sens pour mieux le voir. Je le fais sur le mur, hop, en mode Superman. Si vous n'avez pas de fauteuil pour le faire, vous pouvez le faire aussi et retomber alors en fente avant. Ok ? On le fait encore deux fois. Je sors le genou et je quitte vraiment le sol sur une jambe tendue. C'est super important pour être efficace. Encore une fois. Hop. Et on décolle.
Vous en faites autant que vous voulez, si vous le souhaitez. Alors, une fois qu'on a décollé, ce qui va se passer dans la suspension, c'est que soit vous allez faire un saut groupé, donc je vais décoller, je sors le genou, j'amène les mains vers l'avant, je travaille les abdos, je mets mon pied loin devant et j'imagine que je viens retomber dans le sable. Ça, c'est le saut groupé, on va le refaire. Je sors le genou, les bras sont en opposition, je viens tendre la jambe, j'amène les mains vers l'avant et hop, je viens retomber dans le bac à sable. Je frotte du coup un peu mes jambes parce que j'ai plein de sable qui colle sur mes mollets et c'est pas agréable. Autre type de saut, c'est le saut en arqué. Je vais sortir le genou à nouveau, toujours la même chose dans les impulsions. Et avec mes bras et ma jambe, je vais venir ouvrir vers l'arrière, former un petit peu un papillon, pour ensuite venir à nouveau grouper vers l'avant et préparer ma chute. Ça nécessite quelques abdominaux, je le conçois bien. On le refait encore une fois. Je sors le genou à l'impulsion, je redescends la jambe, je viens faire un mouvement de papillon avec les bras, et puis je prépare mon mouvement arqué. Donc là, on est dans la phase qui se passe en l'air. Et si vous voulez faire à la Mike Powell un ciseau, voire un double ciseau, eh bien cette fois-ci, on s'imagine qu'on est en l'air, je sors le genou, je sors les bras, et je viens descendre la jambe, et en même temps, je viens faire un mouvement de crawl avec les bras. On essaye, je le fais de face. Donc hop, je sors les bras en opposition, et je fais un mouvement de pédaler pour terminer mon saut également avec mes pieds qui sont loin devant. Pour ceux qui sont balèzes et qui veulent le faire avec un petit peu de mobilité, ça donne ça. Hop, je fais mon sursaut et en même temps, je viens avec les bras en opposition. Donc, pied droit devant, main gauche devant. Je monte de côté, ça donne ça. Hop, hop, hop. Je conçois bien que c'est pas facile, on peut le faire en marchant si on veut. Je sors chaque fois pour arriver ici en opposition. Pas évident. Alors, pour préparer la chute désormais, le but c'est d'aller le plus loin possible dans le bac à sable. Donc j'amène les talons loin devant, je prends appui sur le fauteuil et je vais amener mes talons contre mes fesses contre mes talons. Et quand je viens m'asseoir, eh bien j'enlève mes pieds du sable. Je vous invite à le faire doucement parce que le tapis est plus dur que le mousse et donc ça risque de vous faire mal au coccyx. On pourrait d'ailleurs appeler un égyptien dans un astérix comme ça. On le refait, les pieds sont devant, je pousse avec les mains sur le fauteuil, j'amène lentement mes fesses contre mes pieds et hop, j'enlève. Mes pieds, refaites-le à nouveau à votre guise. On va le faire désormais avec un petit peu plus de vitesse. Je fais un saut vers l'avant. Réception, pieds joints. Je fléchis les jambes et je viens m'asseoir en serrant les abdos pour ne pas venir m'écrouler et perdre ainsi de la distance, ce qui serait plutôt fâcheux. On le refait une fois. Attention, je vais disparaître, mais je reviens. On saute. Réception, je fléchis les jambes et je fais ainsi ma réception dans le sable. C'est d'accord pour tout le monde? Autre petit exercice pour ceux qui le souhaitent. Exercice de chute en mode chenille, donc mes pieds sont là devant. J'enfonce mes pieds dans le sol pour pouvoir ramener mes fesses. C'est très bien, en même temps vous prenez les poussières dans votre salon, vos parents apprécieront. On est prêt pour l'apothéose, le bouquet final, c'est-à-dire le saut complet. On va enchaîner notre élan, notre impulsion, notre suspension choisie et notre chute. Je vous le montre, on peut le faire ensemble et on le fera chacun au moins 3 fois pour pouvoir bien le maîtriser. Donc on se souvient, 4-4-4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je décolle, en l'air, je fais ici, moi je choisis de faire le ciseau, je prépare ma chute, mes pieds sont loin devant, hop, je viens m'asseoir mes fesses juste derrière, et je quitte le sable, j'enlève un petit peu de sable virtuel sur mes chaussures, et je le refais, donc on est parti, 4, 4, 4, de plus en plus vite, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je décolle, en l'air, je fais mon saut arqué désormais. J'enlève, je revois mes pieds loin devant. Je viens m'asseoir juste à côté et j'enlève le sable. Je crois que ce saut était pas mal. On le refait une dernière fois, mais cette fois-ci, on met la plaque. Donc demandez chez vous, s'il vous plaît, d'avoir un maximum d'appui pour aller chercher la performance. Parce qu'avant son saut, on visualise le saut extraordinaire, comme le saut de Mike Powell, le record du monde. Mesurez d'ailleurs une fois dans votre salon, faites 9 grands pas en marchant. Vous enlevez juste la taille d'un doigt. C'est-à-dire 5 cm, vous arrivez au record du monde de 8,95 m. C'est assez prodigieux. Alors, on est reparti pour une fois, on met la claque. On met un maximum d'ambiance. On est parti. On y va. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je décolle, je fais mon petit saut aérien, je prépare ma réception et je retombe. 8,96 m, c'est un record du monde, mesdames et messieurs. Wouhou ! Vous pouvez vous applaudir, franchement, vous avez... était grandiose. Alors pour ceux qui n'en ont pas encore lordose, je vous invite d'aller encore un petit peu courir dehors. Je vous donne un petit devoir, comme vous en avez
Un petit peu moins à l'école pour l'instant. Vous allez trouver une petite côte dans la rue ou dans le parc. Demandez quand même de vous faire accompagner. Et vous allez faire 6 fois 20 mètres en accélération. Donc je pars tranquillement et j'accélère petit à petit. Ça marche? Pour ceux qui ont encore un petit peu d'énergie, qui n'ont pas le temps d'aller sur une côte, je vous propose de faire encore 10 bonds sur place pour travailler votre pied tel une balle magique. On est prêt à décoller? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh, j'aurais pas dû faire ça juste après le repas. C'est pas grave. À bientôt, j'espère à demain, si vous le voulez bien. Portez-vous bien.